battles? There have been losses? Each and every one of you has proven yourself time and again. We will not lose the system. We will not fall back. We'll win! Because we have to! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Around the Verse. La vidéo d'introduction est le tout dernier trailer de Squadron 42, diffusé pour la première fois lors de la CitizenCon. Chris est très fier de ce trailer et d'avoir pu montrer une partie des technologies sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé. Car ce trailer était l'occasion de montrer de nombreuses technologies présentées lors de la convention, ayant permis d'améliorer drastiquement le rendu des personnages. En parlant de personnages, nous avons découvert qu'un nouveau avait fait son apparition, interprété par Henry Cavill, connu pour son rôle de Superman. Henry Cavill étant un gros joueur PC, il était fortement intéressé par Squadron 42. Sa carrure de Superman n'est pas passée inaperçue durant la motion capture, puisque son double numérique était plus imposant que les autres. Il a donc rejoint le secret il y a quelques années, rejoignant d'autres personnes sur lesquelles nous n'avons pas encore d'informations. Chose assez rare dans le monde du jeu vidéo, les acteurs se sont exprimés sur Twitter à propos du trailer lors de sa diffusion, Mark Hamill étant très satisfait de son look dans la vidéo. Son personnage sera un élément clé de Squadron 42. Il a donc passé beaucoup de temps dans les studios pour pouvoir tourner ses scènes. Il doit avoir autant hâte que nous de découvrir le résultat. Les nouvelles technologies de simulation de cheveux et le nouveau rendu de peau ont permis au modèle d'être beaucoup plus proche de l'apparence des acteurs, rendant le jeu beaucoup plus vivant et permettant ainsi d'atteindre le but de Squadron 42, vous faire vous sentir comme le héros au centre de ce gigantesque univers SF. Et le rendu graphique devrait encore s'améliorer d'ici la sortie du jeu. Ce teaser marque le début du processus de révélation de Squadron 42, et au fur et à mesure de l'année qui vient, nous en apprendrons plus sur le jeu, avec en parallèle l'arrivée de la roadmap qui sera révélée courant décembre. La grosse difficulté de Squadron 42 par rapport à Star Citizen est qu'ils ne veulent pas dévoiler l'histoire, tout en essayant de montrer un peu de contenu aux joueurs intéressés. C'est pourquoi ces derniers temps, nous avons eu moins d'informations sur Squadron 42 comparé à Star Citizen. La CitizenCon de cette année a été le plus gros événement communautaire organisé par CIG à ce jour, comprenant de nombreux stands de constructeurs, ainsi que des recruteurs de l'UEE, permettant une forte immersion durant toute la convention. Les joueurs ont pu également découvrir un Dragonfly en taille réelle construit par JR Fabrication, que nous avons eu la chance de rencontrer durant la Parisverse. What's your name? Thorgut. All right, can you take the picture now? Can I take the picture now? Well, you know, you could say I might be a little bit of a Drake fan. What do you think about the Kraken? Oh, we just revealed it. Did you expect it? Probably. My goodness, heck no, I didn't expect it. Humans. The community is great. The people I've met are awesome. The devs are even amazing. Like, they're super nice. And they're listening to the community. Your thumbs up, like, you know, like you were saying, I got big ears, you know, almost, okay. You know, like that. There you go. Okay, sweet. I was just about to ask if you can do that. This whole event is absolutely fantastic. The fact that it is so large and everybody is so passionate here based off of
one man's vision, a video game, it's staggering. Did everybody have a good time today? There we go. Cette ATV est maintenant terminée. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la CitizenCon, nous avons commencé une série de résumés sur cet événement communautaire. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci aux tipeurs pour leur soutien. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord Roxy La Rotule, les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre Tipeee, mais aussi partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi, je vous fais des bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt. Around the verse.